malobi awa na states événement no nyonso soko linge réussir ekende liboso mokili mobimba bamona ngo soko luki John image te oeshuwe wana lala. Awa na ba date oyo et puis na kendeki bo fete ka anniversaire na le premier awa na mboko donc na zo kanisa ngo na za beni bien que le bon anniversaire na mère na zo kanisa o na sala kala merci pour la nzambe o ya zo monsa makamba Dieu ni ma témoin eza mokolo o makamba sa maki na vie na yepe. Merci papa et loko nini oyo ko yebisa bana na nzambe nyoso ba ozela yo na événement o ya munene. La dynamique de la longévité. La dynamique de la longévité. Makambu, auto, koiko sala, po makambu na biso e umela. Po auto, sala e umela, e pambolo. Yango to yokani. Merci papa, à suivre. There is always a woman somewhere blocking us. Mais
Nous allons prendre des principes. Because we have established principles. Nous mettons dehors tout ordre. To put order. Toi-même, tu seras responsable. Yourself will be responsible. Tu vas jouer le clavier de ta musique. You will play your role. Votre vie your life sera changée. Will change. Parce que vous serez le maître des principes. Because you're going to be the master of your own life. Dieu ne change pas. God doesn't change. Zambe a humanité. God never changes. L'Iloba na ye est allié. His word is him. Donc ce soir, this evening, la parole de Dieu the word of va God toucher ta vie. Will touch your life. Ce soir, la parole de Dieu va te rencontrer. Ce soir, la parole de Dieu va opérer. Qui croit cela? Aujourd'hui, c'est le jour de la foi. This is the day of faith. Mettre la foi en pratique. To practice faith. Pour récolter les résultats de hier. To take away scars. Nous sommes dans un monde de péché. This is the world of nous sin. Sommes dans un monde de maladie. The world of disease. Nous sommes dans un monde de troubles. The world of troubles. Mais Jésus est la solution. But Jesus is the solution. Dans ce monde de troubles, in this troubled world, tu dois être positif. You've got to be positive. Je vais réussir. I'm going to succeed. Ce que je fais va durer. What I want will succeed. Ce que je fais va durer. What I want will last. Jusqu'à présent. Up ce que today, je veux dire. What I want to say. Mais beaucoup de choses. Many things. Ont amené le monde à tomber. Brought the world to stand still. Mais. But. Dieu continue. But God et ce que Dieu a continué, oh, God will carry us. Ce qu'il a commencé, what started, fait aujourd'hui des milliards d'années. Many years ago, millions of years ago, billions. Malgré le cœur de l'homme, despite the heart, malgré les problèmes, despite problems, l'œuvre de Dieu continue. Oh, the word of God carries his own. Et ce que tu fais dans la vie, whatever you do in your personne life, ne peut bloquer ça. Nobody will stop it. Personne ne peut bloquer. But nothing. Tout le monde peut parler. Everybody les maladies peuvent surgir. Disease may come up. Et on peut voir they ce qui est contraire. That what is against. Mais toi, ça ne te fera pas tomber. But it will not harm you. Toi, tu vas durer. You will last. Et ce que tu vas faire est éternel. What you will do will last. Alléluia. Je vous le dis à chacun de nous ici. I'm going to tell each and everyone. Quand vous aimez quelqu'un, when you love somebody, c'est sa fête. It is his party. C'est le jour de son mariage. It is the day of his wedding. C'est son anniversaire. His anniversary. Qu'est-ce que tu lui donnes? What do you don't give him? N'est-ce pas? Ou c'est un cadeau qui tombe. A very nice gift. Ou vous aurez pas plus moins tombe au cagnard. You will wrap it nicely. Mais il y a qui tient ça? Les gens vont passer dans un cadeau par un papier génie. Mais sometimes in Kinshasa they give toilet paper to people as gift. Les gens m'ont bien invité. It is. Mais si on fait un mariage, ils ont carton plein de bois. Well, on your wedding day they bring a very big box. Non, un papier génie. But inside they put toilet paper. Et vous savez ça bien. It will help you. Mais les cadeaux. But gift. Ça se voit par les couleurs du papier. It comes with the way of the color. Well wrapped. Après cela, on a pris la décision. Venez avec les cadeaux non emballés. Then you bring. Pour qu'on voit qu'est-ce que tu as. It has been decided now to bring the gift not wrapped. Mais whatever you bring forward. Je ne parle pas de ces cadeaux. I'm not talking about that kind of gift. Il y a here. Un cadeau que toi tu dois donner. There is a gift God wants to give. Le cadeau de travail. The gift of work. Vous savez que. Dans le mariage, c'est le travail. You know that in the wedding, dans le mariage, in quand marriage, les gens sont mariés, when people are married, vous êtes en train de travailler. You are working. À la fin, at lorsque end, vous serez vieux, vous allez voir les fruits de votre travail. You want to see the fruit. Peut-être que vous étiez un papa qui s'est fâché beaucoup. Vous allez voir probably you've been angered. Vos enfants ont pu marcher en ordre à cause de vous. Sometimes your family didn't work properly because you were angry. Fin, at the end, les enfants vont vous aider. Ils ont étudié, les enfants ont fait des exploits. C'est vous qui êtes content. At the end, your children will help you. They've studied, they've succeeded, they will help you. You'll be happy. Donc, le cadeau du travail est très important. The gift of work is important. En tant qu'homme de Dieu, as a man of God, ce que je fais ici,
What I'm doing here, c'est un travail. It is a work. Ça doit être un beau cadeau. It is a very good gift. Parce que because j'ai grandi. I've grown up. Je dois prêcher les gens qui grandissent. I have to preach people growing up. Votre capacité à grandir pour les autres. Your capacity to grow for other people. Donc, grandissez pas pour toi-même. Don't grow for yourself. Grandissez pour les autres. Grow for other people. Lisez la Bible. Listen. Devenez chrétien to become sauver. Christian to save. Devenez chrétien become Christian pour sauver. To save. Là où tu travailles. Where you work. Partout où tu es. Wherever you are. Tu sauves. You have to save. On va apporter les autres nations par chez vous et par vous. Other nations will come because of you. Ça sera avec nous. It will be des autres niveaux. We will reach other levels. Donc, vous êtes là en train de travailler. You are busy working. Les gens viennent. People vous, come. Vous ne savez pas pourquoi ils viennent. You don't know why they are coming. Vous faites un bon travail. You're doing good work. Et ces cadeaux de travail transforment les gens. And this gift of work transforms ils people. Changent de niveau. They change level. Les gens commencent à dire comme Paul. People start talking. Comme Paul. As Paul. Ce que j'aimais. What? Ce que j'aimais. What I loved. C'était de la boue. It was mad. Maintenant j'ai compris. Now I've understood. L'homme commence à changer. The men start changing. L'homme commence à perdre un autre niveau. The men start climbing levels. Dans le travail aussi. In this world. Si tu fais un bon travail. If you do good un work. Jour tu te trouveras dans un autre niveau. Oh, one day you will climb level. Même le mariage c'est un travail. Even in the wedding, the marriage is a work. Donc dans tout ce que nous faisons. Whatever we do. Nous atteignons un autre niveau. We changing levels. Après avoir travaillé. After working. La NASA ils sont partis à la lune. NASA went to the moon. Après la lune. After the moon. Ils ont fait beaucoup de choses. They've done lots. Aujourd'hui nous avons un téléphone. Today we've got a mobile phone. C'est à partir de la NASA. It is from NASA. On a des satellites en haut. We've got satellite. Nous avons atteint un autre niveau. We have reached another level. Dans le Seigneur aussi. In the Lord. Dans le fruit de votre travail. When the fruit of your work. Commence à atteindre le niveau. Start to reach the level. Il y a des gens ici qui ont marché. Il y a des gens ici qui ont iront en Asie. Some people will travel. Il y a des gens qui vont dans d'autres pays. You will go à cause de Jésus-Christ. Because of et ils prêcheront Jésus-Christ. Et Dieu les délivrera. Et vous allez atteindre un autre niveau. And you will reach another level. Nous sommes là pour un autre niveau. We are here to do that. L'année prochaine, ce sera un autre niveau. Amen. Next year, another level. On va faire un travail autre que ce que nous avons déjà fait. We will do another kind of work. Laisse-moi vous dire. Let me tell je suis venu pour que tu changes de niveau. I came for you to change levels. Aujourd'hui. I came with the disease. You came with the disease. Nous avons prié. We prayed. Tu n'es plus malade. You got healed. Qu'est-ce que je vais faire à l'église? What am I going to do this je suis déjà guéri. Non. I'm healed. No. Il y a autre chose. There is something else. Cette fois-là. That's how c'est pour la guérison du corps. It is not for the healing cette of the body. Cette fois-ci. This time. C'est pour l'intelligence. It is for cette fois-ci. This time. C'est pour le principe. Cette fois-ci, c'est pour autre chose. Tu es là pour que Dieu fasse d'autres choses. You are there for God to do something else. Dieu God travaille avec Paul. Yes. He has worked with Paul and Peter. Et quand Pierre and when Peter a eu le poisson, saw the fish, Jésus lui a dit, suivez-moi. Follow me. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. I'm going to make you, fisher of men. Dans la vie de Pierre, nous n'avons pas dit Dieu guérit Pierre. We didn't say God heals Peter. Jésus a guéri la peine de Pierre. Mais ce n'était pas Pierre. Le problème des maladies, ce n'était pas dans Pierre. Le problème de Pierre, c'était de prendre pour l'autre niveau. The problem for Peter was to climb. Je vous dis et je dis à quelqu'un, Dieu est là pour atteindre un autre niveau. Oyez à Wabo comme un niveau Moussousou. Sometimes you are climbing another level.
Sometimes you're looking for the car. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's go with you. Let me tell you. There is a level you have to reach. Et c'est là où on porte le fruit. C'est là où on porte le fruit. And it will bear fruit. Il y a un arbre qui a écouté le fruit. There is a tree that listened to the fruit. Cet arbre-là, c'était un paralytique. It was a paralyzed, a triple face. Chaque jour, il était là pour. Every day he was there to beg. Devant le temple, devant la maison de Dieu. Before the house of the Lord, he was in front of the. Mais la voix est sortie. But the voice came out. Un homme a parlé. A man spoke. Pourquoi il a parlé? Why did he? Parce que dans sa vie, tous les miracles qu'il a fait, tous les miracles que Jésus a fait devant lui, all miracles that Jesus made, it was Jésus through the voice. Et les choses se font. Jesus just spoke and it happened. Moïse a manqué. Moses missed. Et il est mort. And he died. Pourquoi? Why? Parce que chaque fois qu'il disait le bâton, il voulait toucher. Because he was told to obey. Chaque fois qu'il touchait le bâton. Every time he was touching the stick. Mais le jour le Seigneur lui a dit. But the day the Lord told him. Bah, speak. Bah, speak. Comme il était habitué à toucher. Because he was used to touching. Il a dit non. He said no. Il a frappé. He l'eau est sortie. Hit the stick. Mais the water came out. C'était pas la volonté de Dieu. But it was not according to the will of God. Et mort. And Moses died. On the hill, on the mountain. Let me tell la you. Parole donne la vie. The word gives life. Jésus est la parole. Jesus is the word. La direction est dans la parole. The direction is in the word. Donc, la parole. The word. Vous avez besoin d'écouter. You need to listen. Cet homme-là a écouté. Aujourd'hui, la parole va te donner la nouvelle direction. But today the word will give you the ta vie direction. En Amérique aura de d'autres principes. Your life in America will take another proportion. Alléluia. Dis qu'à autre fois, il est temps d'écouter. It is time to listen. On écoute en lisant aussi la Bible. You listen, but also read the Bible. Changez de niveau. Change of level. Devenez l'esprit de la Bible pour vous-même. Become a Bible reader for yourself. Ne lisez pas pour les autres. Don't read for other people. Lisez pour vous-même. Read it for yourself. Parce que les oreilles doivent écouter. Because your ears should listen. La Bible dit que celui qui a les oreilles. The Bible says whoever got ears should listen. Utilisez les oreilles spirituelles pour entendre la parole de Dieu. To listen to the word of God. Il est très important. It is important. L'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est parler de Jésus. Dire ce que Jésus a fait. Il faut que les gens écoutent ce que Jésus a fait. People should listen to what Jesus did. Le monde a besoin d'écouter. The world needs to listen. C'est différent. Beaucoup de pasteurs oublient que le monde doit écouter. Many pastors forget that the world needs to listen to the Lord. Les chrétiens ne veulent plus écouter. Les chrétiens ne veulent plus écouter. Or Christians do not want to listen anymore. Entrez dans la classe de ceux qui écoutent. Come to the classroom of those who listen. Les œuvres de Dieu vous seront connues. Those who listen will be known. Les vertus de Dieu. Vous allez connaître les vertus de Dieu. God's virtues, you will know. Tu vas savoir si tu vas continuer à travailler l'évangélisation ou pas. You will know if you should carry on with outreach or no. The leadership of the church should read. Il faut parler aux gens. They have to speak. Ça doit durer. Ça doit durer. It has to last. Ça doit durer. It has to vous last. Vous savez dans le leadership? In the leadership. On ne peut pas savoir qui va décider. You don't know who will take over. Le travail doit être avec une bonne personne après toi. The work should have somebody to succeed you. Je vous ai dit ça. I told you. Mais je veux vous donner un exemple. I'm going to give an example. Dieu a créé le monde. Qui était là? God created the world. Who was there? Après, c'était Adam et Eve. After Adam and Eve. Ils ont commis les péchés. They sinned. Vous savez, le plus grand édifice que le monde ait connu à ce temps-là. You know, the biggest building that
ever known. C'était conçu par les pécheurs. It was built by sinners. It was built by sinners. Today, look, many people are doing great things, but they're doing it with sin. Many people are successful, but they don't know God. Attention. Be careful. Attention. Be careful. God is the most important thing. Jesus Christ with what he needed and in love.
pardonner. Ba principe yezo pese bisale na yango. All principle that Jesus gave us, do it. Pour être corrompu vote le ego to mama. Because knowing that one day the fire will come. Sente automatique. Sente automatique. If you didn't build properly. Mais sente automatique bien. If you didn't build it properly. You will be sorry. Hallelujah. Qui comprend maintenant qu'il doit faire attention? Do you understand that now you have to be careful? Tu es créature. You are a creature. Et Jésus est venu mourir pour toi. But Jesus came to die for you. Tu n'es pas ici seul. You are not alone. Tu es avec la parole. You are the Word. Au commencement était la parole. In the beginning was the Word. La parole était avec Dieu. The Word was with God. Et la parole était Dieu. The Word was God. Alléluia. Le principe dont on parle ici, the principle we are talking about, c'est le principe de la longévité. It is the principle of lasting. Jésus, qui est notre fondement, Jesus, that is our foundation. Il est éternel. He is eternal. Ah, hallelujah. Depuis le temps, since a long time, je viens de vous parler depuis le temps. I've spoken to you since donc, long before. Voyez ce que Dieu a fait. Look at what God has done. Il a travaillé beaucoup de prophètes. He has worked with so many il a travaillé prophets, beaucoup de rois. With many kings. Chacun à son époque. Chacun à son époque. Each and every one was his own importance. Donc à son époque, chacun avait son époque. Each and every one at his own time. Mais but, c'était le même fondation, la même fondation. But it was the best foundation. C'était qui? The same foundation. Jésus-Christ. Jesus au commencement, il était la parole. At the beginning, the word. Aujourd'hui, il a pris la chair. And today, he came. Et il est fresh. Mort. Et il est toujours parole. He died, but he's still among us in the Holy Spirit. Donc, le principe de la longévité. The principle of lasting. Il faut apprendre comment manier les transitions. You've got to know how to manipulate the transition. Papa, mama, Dieu est là. Brother, sister, God is there. Une chose peut prendre 100 ans. It can take 100 years. Mais quand vous mourrez, but when you die, d'autres personnes continuent. Other people will take après vous, des millions d'années après la mort. After you, even after billions of years, somebody else will take over. Vous avez un peu rentré dans la chair. Vous avez des brosses à dents Colgate. You've got your toothbrush. Colgate. 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 It didn't start today. Ce sont des sociétés d'antan. These are old companies that started. C'est lui qui a commencé Colgate et moi. That one who started Colgate, the toothpaste, no, is already died. Jusqu'aujourd'hui. Up until today. Colgate est. Colgate is still on. Le fondateur est mort. The founder died. Mais il y a d'autres personnes. But there are other people. Comment ils parviennent à continuer? How do they keep on carrying on? Celui qui est mort, quelqu'un est venu après. Somebody died, somebody took over. Chez nous là, dans un pays, je ne sais pas si c'est à la nuit. Quand quelqu'un commence le commerce, il meurt. Papa meurt, tout meurt. In our countries, I don't know, is it in heaven? When you die, your business also dies as well. Même la maison. Even the house. On construit la maison. You build the après house. La mort, c'est plus votre maison. When you die, the house is quelque part où on achète l'argent va quelque part où on appelle zéro. Tout. Or it is sold. On les pose à dans un zéro. Vous connaissez le zéro? Hein? Attends, son milieu au milliard. On peut dire que le compte est zéro. Et si zéro, on a un mignon. Zero is a great. Whatever you do to get money, a prostitution or whatever, but at the end of the day, it goes to the grave. Even if you buy it, it's not going to be zero. Whatever you got, when you die, it's gone. Hallelujah. Il faut savoir comment manier les transitions. You've got to know how to maneuver the transition. Il faut apprendre à changer. You've got to learn how to change. Changer quand le leadership ne peut pas accepter ce que vous enseignez. Change
changer. You've got to change. Il y a aussi d'autres choses. Do I also il faut aussi prendre des retraites. You've got also to take, I mean, to take a rest. Il faut to step down. Dans un pays qui se trouve quelque part, je connais. In the country, là, somewhere. Même les papas de 90 ans travaillent. Even somebody of 90 years is still working. Le papa qui a 80 ans, il est encore au travail. 80 years, but he's still working. Les petits enfants qui ont terminé l'université n'ont pas de travail. I mean, the great children of on n'aime pas les changements. Because we don't need to change. Quelqu'un va faire des fétiches pour rester là. Somebody is going to witchcraft because he wants to regardez stay. Regardez les résultats. Look at the results. Tout n'avance pas. Nothing works. Même dans ta vie, il faut apprendre à changer. Even in your life, you've got to learn to change, to be il flexible. Il faut apprendre comment relâcher les choses. You've got to be flexible. Il faut lâcher les autres. Il faut apprendre à relâcher les autres. You've got to send out people. Après 5 ans, il faut savoir comment relâcher les autres qui n'acceptent pas d'avancer avec vous. After 5 years, you've got to let down those who don't want to. Il y a des gens qui travaillent avec vous, mais qui n'acceptent pas d'avancer comme vous voulez. But they don't want to move. Sachez with you. Comment les relâcher. You've got to know sachez how to leave them aside. Il y a dans notre église, elle est démon, il n'y a pas de démons, il y a que des gens qui ne veulent pas vous obéir. You complaining that the church has got demons. No, there are people who don't want to change. Ils ne veulent pas, dis-leur parler. You've got to talk to them. Oh, vous vous entendez, on ne se chamaille pas, on s'entend. You just agree. Sachez les libérer. You've got to free them. Et vous allez voir, let them go. Continuez à partir. Amen. Moi, je dis, j'ai 35 ans. I've got 35 dans yes, in my ministry. Mais beaucoup de gens sont partis. Many people have gone. I'll let mais them go. Le ministère continue. I bless them and the ministry is still going. Donc je ne peux pas dire que mon ministère a échoué, mais ça continue. The ministry is still on. Mais quand tu cherches à garder les gens, quand tu vas rester avec nous, mais ça ne va pas. Ça n'ira pas. If you want to give people who don't want to be there, you won't succeed. Alléluia. Amen. Je n'attends pas. Alléluia. Amen. On garde les choses importantes. You keep only what is important. Vous gardez les choses importantes au ministère. Keep ce qui est important pour les années. Il ne faut pas être marié aux possessions. Vous savez, vous êtes marié. You are married. Avant le mariage, before the marriage, vous êtes allé au magasin. You went to the shop. Vous avez acheté le plus beau vêtement. You bought very vous nice à la maison, suit, outfit. Dans votre mariage, c'est ta vie, c'était bien. Avec une photo. You took après pictures. Quelques temps, after a while, cette vie ne va pas te convenir. After a while, that will no longer suit you. Je vais garder. Mais avec la femme que tu as épousée, la soupe et de, fait que ton ventre devient, ça commence à se chamailler avec les boutons de la chemise. After a while, you will change dimension. Maintenant, now, tu vas dire, ah, ma veste ici, ça m'a coûté cher. Je vais toujours porter. Tu vas être ridicule devant les gens avec une chemise. Donc, il faut apprendre à changer. Because you cling to your nice suit and you have already changed the size, if you put it on, you'll be ridiculed. Hallelujah! Cela est le même dans le mariage. It is the même same dans les outils. Il faut changer les attitudes. You've got to change attitude. Non, toi-même tu sais que non, avec cette attitude ça n'ira. You know yourself that with your attitude it won't work. Change. Ce que je vous prêche. What I'm preaching to you. C'est utilisable dans votre vie. It is a principle that dans can work ministère, in everything. Dans les études. In the ministry. Dans le standing, in vous êtes la même personne, mais on vous voit. Tu as changé. Oui, parce que mais je veux que ma chose dise. You're still the same person, but you can change. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas marié aux possessions. Don't be married to même them. Les méthodes du travail peuvent changer. Even the method of the work, you can change your method. Alléluia. Il y a des fois, on vient aux États-Unis. Sometimes we come into the U.S. Tu es là, on fait 3 mois, on yes. Est là, on vous appelle là-bas. Mais non, maintenant ça doit changer. You spend three months, they're calling you all je over. Je viens pour une cause pendant 12 jours. 13e jour, je suis au Congo. À Kinshasa, après 12 jours, je vais à l'est du pays. Donc maintenant, je
travail mais ça progresse. Parce que j'ai changé. I have also changed even in my method of outreach. Ah, quand il dit non, ça doit changer. It has dans changed. Ta vie, il y a des choses qui doivent changer. In your life, there are dans ta vie, il y a des attitudes qui doivent changer. There are il y a quelque chose que tu dois changer. Je dis, il y a quelque chose que tu dois changer. Il y a des façons que tu dois changer, des méthodes. There are things to change in your life, whatsoever. Laisse les choses changer ou rectifier tous les attitudes. Change things or rectify some habits. Vous savez, quand on était enfant, when we were kids, une société pouvait avoir 25 personnes selon le secrétariat. Celui-là était top. L'autre là est classé. Il n'y avait pas de classé automatique. C'était les classés d'hommes. Beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, l'ordinateur fait que la société n'a plus besoin de beaucoup de sécurité. Well, when we were still young, the company would have 25 people working. But today, you can use a computer replacing almost. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. You don't need many people. L'ordinateur est là. The computer is there. Les gens doivent apprendre à changer. People have to learn to change. Vous voyez ici, you know, par rapport à notre pays qui est là au ciel là. Compared to our country that is in heaven. Quelque part là. Somewhere. Vous connaissez. Même les hommes, tu auras la joie. In the hell of people, you will have joy. Avec un mari, mais tu auras la joie. Dans la même église, mais il y aura la joie. Il y a du miel qui va tomber là-bas. The honey will come down. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Qui croit qu'il est béni aujourd'hui? Who believe qui croit blessed? Qu'il est béni? Who qui croit que Dieu lui a parlé déjà avant toute chose? Eh, n'a pas bon ami. Tu peux répéter ça? Eh, n'a pas bon ami. Ma cambo est changée. Things have changed. Things have changed. Il y a quelque chose qui doit changer. Chaque jour que tu dois comprendre que Dieu te donne des principes. Avec ce principe, tu dois changer. Tu es la même personne. Mais maintenant, il y aura la joie. Tu auras la joie. Tu as la joie. Je n'entends pas, tu as la joie. Oh! Il y a des principes que tu dois changer. There are principles that have to change. Il y a des choses qu'on garde, qu'on ne change pas toute la vie. There are things that you keep and you cannot change your life. Tu ne vas pas changer ton papa. You will never change your father. Tu ne vas pas changer ta maman. You will never change your mom. Tu ne vas pas changer ton mari. You will never change your husband. Alléluia. Ah, je crois qu'on est en Amérique. Où la femme peut dire à l'homme 100 mètres. Even though you are in America, you can tell your husband that stay 100 meters away from me. Il y a moins de moi. Par mes mains, je vais s'arrêter. Mon Dieu dit 100 mètres. Je m'aurais essayé de. You told the same person that you asked him to stay away from you that you miss him. You used to call him baby, today stay away from me. Yeah.
quelque part, je dirai les choses que je n'ai pas dit ici. Parce qu'à cause du temps, je vais être très bref. I'm going to be brave because of time. Ah. What? Si vous voulez que les choses durent, you want things to last? Il faut focaliser sur Jésus. You've got to keep focus on Jesus. Focaliser sur Jésus. Focus on Jesus. Suivez-moi. Follow me closely. Focaliser sur Jésus. Focus on Jesus. Les autres choses vont vous distraire. Other things will distract you. Il y a d'autres choses qui vont vous distraire. There are things that will distract you. Pierre était dans la barque avec ses amis. Peter was in the boat. Et Jésus était dans le sud des eaux. And Jesus Christ was on the water. On a trouvé que c'était un fantôme. They thought that was a witch. Jésus. Jesus was walking. Et si c'est toi, Jésus, laisse que je marche comme toi. If it is you, Jesus, give me permission to walk like this. Pierre est sorti de la barque. Peter came out of the boat. Et il a commencé à marcher. He was walking on the water. Il partait sur l'eau. Was walking on the water. Il a senti le vent. The wind came. Il a regardé l'eau qui pouvait être fendue à cause du poids de la maison. He looked at the water. Qui pouvait le poids de la maison pouvait traverser de l'eau. The water that the hook could enter. Mais il faut comment lui est en train de marcher. But he wondered how come he's walking on the water. Distrait par le vent. Distracted by the wind. Distrait distracted by what he saw. Il commençait à couler. Or he started sinking. Ah, oh, Jesus, rescue me. Il a continué à regarder Jésus. He kept on focusing on Jesus. Il était sur l'eau. And he was on the water. Quand vous ôtez vos yeux sur Jésus, when you focus on this, vous regardez les événements. You focus on vous regardez les circonstances. You focus on vous circumstances. Feeling pain, but he is there.
Regardez Jésus. Il y a beaucoup de circonstances en Amérique. Il y a beaucoup de gens qui sont mangés, qui sont détruits. Toi, regarde Jésus. Moi, je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis pas les autres qui étaient. Je suis là, je ne suis. Even if you go to the Moses to say, give me that stick that divided the water, it's going to heal me, you will die. Because there is only one principle, which is focus on Jesus. On va même dans la veille de prier. Even if there is not prayer, au lieu de penser à Jésus, au lieu de parler de Jésus, on parle d'autre chose. You talk about on time. Est distrait par le temps. You are distracted by the time. On va à l'église, on est distrait, oh, ton va faire ceci, oh. Là dans la veille, c'est Jésus. Ne regardez pas trop. Regardez Jésus. You come to the churches and are praying, you're talking politics. Focus. Comment vous voyez? Nous les immigrés, comment vous êtes ici? Qui connaît les gens? Instead of focusing on Jesus, mais que le Dieu soit focus sur Jésus. Focus on Jesus. Il va bénir votre vie. He will bless your il va multiplier votre pain. Lorsqu'il n'y aura pas de vin, il va donner de l'eau, la bénédiction de devenir vin. Le Seigneur que je prêche maintenant, il me dit qu'il y a des faveurs pour vous. Il y a des faveurs pour vous. Il y a des faveurs pour vous. La grâce est là pour vous. Il y a quelque chose de grand. Regardez Jésus. Les miracles sont en grand nombre. Regardez Jésus. La faveur est sur toi. Regardez Jésus et le commande. Je suis dans cette église. Jesus, je prends la responsabilité de la parole de Dieu. Vous êtes bénis si vous êtes en train de cette parole. Regardez Jésus. Aimez vos enfants. Regardez. Aimez votre femme. Regardez Jésus. Il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. This is what is written. This is what will follow those who will believe in Jesus. Quel miracle? What miracle? Mais comme du poison. Even the poison will not kill us. Il mourra pas. You will eat it, you will never die. Continuez que, à aimer les gens dans ta maison. Keep on loving people. Regardez Jésus, moi, les ennemis sont venus chez moi à la maison. À minuit. My enemies came to visit me at midnight. Ils ont dit, nous venons te tuer. They said, they're coming to kill you. On nous a envoyé pour te tuer. They sent us to kill you. Ils ont pris l'arme. They took the weapon. Ils ont à coup, comment on a tout portant et démontré. They shot me. Je ne suis pas mort. I didn't die. Je ne suis même pas tombé. I didn't et je vis mon sang coulé. I saw my, une petite quantité. I saw my je suis là. Jésus m'a protégé. Dieu peut te protéger. God can protect il est là. Regarde Jésus. Même si il y a une maladie, il y a cancer dans le corps. Regarde Jésus. Il va te guérir. Je parle de Jésus. Il pardonne les péchés. Il guérit les maladies. Même quelqu'un a été trouvé en flagrance. Ne te dis pas. Jésus te pardonne. Jésus t'aime. Jésus te bénit. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux te dire que maintenant il y a un miracle dans ton corps? Est-ce que je peux te dire qu'il y a un miracle maintenant dans le stamine de ta vie? Ta vie aujourd'hui change parce que tu regardes Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le lépreux l'a regardé, la lèpre est partie. Tu es le même. Jésus est le même. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tes yeux peuvent voir. Tes oreilles peuvent entendre. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Ton standing change. Alléluia. Regarde. Regarde. Regarde Jésus. Il te pardonne. Il te pardonne. Je dis il te pardonne. Il y a quelqu'un qui marche, qui est là avec un poids. Il veut même se tuer. Ici, dans cette église.
mais le Seigneur but the Lord est en train de te guérir maintenant. Je montre mon Dieu, c'est à la direction que je monte. Dieu t'a guéri maintenant. God is healing you. Merci, mon Dieu. Dieu est en train de faire un miracle. God is busy performing. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il va se donner à mort. Somebody said he's going to maintenant, de ce côté ici, Jésus t'a guéri. Dieu est délivré. Et quelque chose va se passer maintenant. Something will happen. You are set free. Oh, ouvrons nos mains. Ouvrons. Allez, louons le Seigneur. Chacun loue le Seigneur. Louez Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Au moins la différence est que si on pouvait le bénir, c'est mon idée.
It's all about people.
God bless you if you're doing good. No. No. Même pour l'église, au pamboule. Parce que la vie au pamboule, à toi, là, il y a un peu. Mais pour l'église, il y a un peu. Even for a church, you've got to bless pastors. Alléluia. Change. L'amour, aimer les gens, c'est l'esprit de la vie de la Bible. Loving people, this is a lifestyle in the Bible. L'esprit de la vie. Abraham a aimé les gens. Dans la maison d'Abraham, il y avait des étrangers. In the house of Abraham, Joseph a aimé. Israël marchait avec des étrangers. Israel walked. La loi de Dieu parlait d'Israël et des étrangers qui étaient avec lui. Ndekonaka, Keba, Zongsa Boni Baba. Mais il y a un problème, état d'âme, état d'unité. Jésus qui s'accoutait un abat de feu à Pambo là-bas. Jesus met leper and he blessed them. Jesus Christ. Je vois dans Jésus. Na terra eu vi bem. Jesus. Ezra batista no balo vi bem. Jesus. Jesus a ponte na terra como fumou a bem na guerra de Luia Simon. Jesus into the house of Simon. Simon, as a mesa, a mona do amor se fumou aí. Moisés aí vai ter a zanuca. They were at the table when a prostitute came. Jesus allowed for the hair of the prostitute to clean his feet. Imagine that was you. I think that really bad luck. If he was of God, really, he could allow this poor woman to enter the house. God will send all sort of people to you to be blessed, to be saved. The word I love. Le mot je t'aime. Say I love you. Le mot oui c'est maman. Moi c'est personne qui je t'aime. Ça va. Mais si on a commis la WhatsApp, je t'aime. Hein? Et vous avez dit? Oui, imaginez. Scandale. Mais est-ce qu'il y a réalité scandaleuse? I would say easily, I love you to Pastor's wife. But can I write it on WhatsApp? I love is. Where is the problem if I say I love you? Jésus-Christ, à le bon amour, je t'aime. Jesus. Mais puisque ça te remet pas du jeter, il faut voter là, il y a un mauvais vers jeter. Donc, le père jeter Valéria Satana, au même le père jeter Valéria Yeshua. Jesus says he loves us, but we, before we say I love you, you've got to choose who am I talking to? Vous comprenez? Do you understand? Que le valet de Jésus nous attaque. May the veil of Jesus Christ wraps us. Que le valet de Jésus nous attaque. May the veil of Jesus wraps us. Et Jésus Christ a permis que ses pieds soient lavés par ses. Jesus Christ allowed his feet to be lavés par ses. Et à la fin du temps, c'est la femme qui a représenté Ève. At the end of the time, this is the woman. Le péché d'Ève, c'était Ève qui a péché. Mais la résurrection d'Ève, c'était cette femme-là. That woman took the honor of women. Because if you look at it, place of Jesus, the second place in the garden. But moi, c'est moi qui t'as porté dans le garden. Moi, c'est la calamité de Satan. But moi, c'est la calamité de Jésus. It is when Jesus Christ resurrected the woman who was in the tomb. Amen. The woman was there. But why? Because Jesus has permitted that he has seen. Because Jesus allowed her to touch him. Dieu vous aime. Amen. 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 Papa, how are the Israel and Santa Mama? Present to the Santa Mama, John 13. John 13. John 13. Papa, beaucoup de choses ne durent pas dans nos vies. Many things do not last. Parce que nous n'aimons pas les gens. Because you know those. Il y a des églises avec des grandes destinées. There are big churches. Mais qui tombent. But they
parce que on n'a pas aimé les gens. Because they got destroyed because they didn't love people. Hallelujah. Si vous faites des affaires, if you're doing business, il y a un cours qu'on donne aux gens, comment traiter les gens qui ne sont pas comme nous. There is a training in the business called how to treat people who are not like us. Because you've got to love everybody. Parce que quelqu'un peut vous donner une information. Somebody can give you information. Vous savez dans la Bible. You know in the Bible. Il y a une femme qui s'appelait prostituée. In the woman, the prostitute woman. Il a reçu des espions. She receives. Il les a traités bien. Elle les a traités très she bien. She treated spies. On lui a donné l'information. And she received. Et quand Jéricho était cassé. When Jericho was destroyed. C'est cette femme-là qui était sortie. This is the woman that sa this is the woman that got saved. Parce because, elle les gens. Because she received treated them decently. Alleluia. Love one another. Église, ici où vous êtes. Church, here dans cette ville, in this town. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Vous allez bouger cette ville. You will move this town. Ici dans cette ville, les blancs commencent à vendre les églises. You, in this ils commencent town, à stopper. C'est l'amour qui est parti. It is love that is gone. Cultivez l'amour. Cultivate love. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Écoutez-moi. N'aimons pas les gens par standard. Donc, ça va être par standard. Don't love people according to the standard. Non. Oh non. Oh non. Maintenant, c'est au bloc de la mort. Pas comme vous. Oh, oh, le bâtard. Bisous, bâtard. Menacez-moi. Oh, voilà. Aimez tout le monde. You've got to love merci. Everyone. Aimer. Everybody. Donc, dans l'église, tout le monde. Everybody. Qui est des moyens, qui n'est pas des moyens, aimez-les. Parce que Dieu a un travail avec ces gens. Amen. Rich or poor, you've got to love everybody, but go and go work with them. Dans vos maisons, recevez les gens. In your house, receive people. Faites attention. Be careful. Ce que vous êtes aujourd'hui, where you are today, ça dépend de Dieu. Is mais un jour, vous pouvez chuter. Seigneur, qui vous avait donné un bel dos, va vous donner peut-être un bel délire. That one to whom you gave a glass of water, tomorrow might give you a glass of milk. Que la grâce de Dieu soit ici. May the grace of God come here. Aimez les gens comme Jésus, pas par standard. Love people as Jesus, not according to Jésus. Jésus a aimé les lépreux, il a aimé les pitiés, il a aimé tout le monde. Jesus loved everybody. Quand on aime les gens, when you love people, quand on aime les gens, when you love people, quand on aime les gens, when you love people, le ministère dit. The ministry lasts. Quand on aime les gens, when you love people, la famille dit. The family will last. Ici tout le monde, si vous dites, qui peut me dire le nom de Saint-Élie? Il y a des gens qui vont vous dire, mon père. If you ask somebody here who can tell me the name of his enemy, somebody will wake up and tell us his father or his father. Malade, tu n'avais même pas un bouchon. On dit au médecin que Jésus Christ, c'est ton père qui t'a soigné. When you were still a baby, you couldn't even talk. Who was healing you? Your father. Ta mère. Your mom. Tu es devenu sorcier. Ta femme a sorcellerie dit, maman a eu le bien. Maman a eu le bon et le mauvais. Nous avons eu le chinois, nous aussi, maman. Mama wana, muda ni chombo kundi. Ata wote kama msingi kati. You're in love that. Mubai na yala salama. Funda, ndo creator na mabo ya mubai na yu mama ni. Amen. You're in love that you accuse today your witch is the one who fed your husband or your wife. Hey, you wanna answer? Let me tell you. Mama ya mwasi na yu asufimbo mwasi na kuma na kanate wa balele. Amen. Donc, we've got to really let us love people. Le ministère va durer quand on aime les gens. The ministry will last when we love people. Je vous ai dit qu'il faut avoir un cours pour savoir comment traiter les gens qui sont différents de nous. I told you that we need a special training how to love people that are look like us. Dites à toi, Seigneur. Say, Lord. Faites grandir ma capacité d'aimer les autres. Encore, encore. Give me the capacity to love other people. Seigneur, Lord, faites grandir ma capacité d'aimer les autres. Grow my capacity
a donné le paix à celui qui va le tuer. Jesus gave bread to the one who killed him. Il a pas donné une gifle. He didn't slap him. Non. Il n'a pas fait ça. He didn't do that. Il a donné du pain. He gave him the bread. Il a donné du pain. He gave the bread. Il n'a pas donné le serpent. He didn't give him a snake. À Judas, il a donné le serpent. To Judah. Seigneur, fais garder moi en capacité d'aimer les autres. Oh, God, give me the capacity to love other people. Chaque homme ici. Each and every man. Chaque femme ici. Each and every woman. Cherche de l'espoir. Is seeking hope. Mon union, ça y est, on va faire le quotidien. Everybody seek hope. Bon matin. Donc, aux autres, Elijah, qui dans le sang, qui dans le nom, aux autres, Ganini, Elijah. You need to have love for everybody because I also need to be saved. Keep the church together. Hallelujah. Amen.
Nous les leaders, nous devons nous agenouiller pour les autres. We leaders, you've got to be the first one. Vous êtes leader. Tant vous êtes leader, vous êtes leader. Tant vous êtes mobile, vous êtes leader. If you are married, you are a leader for your wife and husband. Kubenga masolo kwa manaiye. Don azam mtu wa sala bora mna. Nana mimi kwa ya kosa na mimi. Fokisi. Ya mbaya nini? Ya misa savoir que vous êtes partenaire. Knowing that you are a partner. Sache que tu es le partenaire de Dieu. You've got to know that you are God's partner. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthians 6. Verset 1 seulement. Verse 1 only. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthians 6, verse 1. Dieu a tout. God is God everything. Dieu nous demande l'opportunité seulement. What we need is an opportunity. Il a tout. He needs an opportunity. Il est le partenaire d'idées. Tu peux avoir une idée, c'est lui qui l'a donné. You've got an idea, he gave it to you. La technologie, c'est Dieu qui nous a donné. Technology, he gave it Dieu to you. Dieu nous donne la production. La protection. Protection. Je vous ai parlé de la protection ici. Comment Dieu m'a sauvé. God, si on est partenaire if you are avec partner, Dieu, God, il ne faut pas l'idée. You don't need Maman. Le bas, Nzambe, Naza partenaire à Nzambe. Dieu est partout. God is everywhere. Dieu peut tout faire. God can do everything. Le corps comme une partenaire. Because you are a partner. Ça, capacité. Don't struggle. Don't stress. Donc, yo sera na Nzambe. Believe that God is on your side. So go say in Sala. If you do what you want. Chaque émotion.
continuez à prêcher. Keep on preaching. Donnez des occasions. Semez la parole. Semez les gestes. Vous n'êtes pas les seigneurs de la moisson. Le vache ne suis pas les seigneurs de la moisson. You are not the master of the harvest. Na harvest, you are not born now. You are not born semer. Kolembate kose. Même finance na yo, même ni se manka. Pona ni lo bayanani yanza. Your duty is just to sow. That was not the same one. When you're sowing, nothing about this. What did you do? Paul did sow. Apollos is saying, "Arose." Apollos water. Nothing about this. Na before na yo ya kuseme. Eza ya matea, eza besa ya finance na yo. Muta kubosa na yo. Only God will make it grow. Keep on. Ba continue kata, gande kata kuseme. Yo musala na yo, eza nini kuseme. Yo Jews. Yo vokabilo musala kota na vina yote. Yo lubama na za muti ya semas. You call this so. So. Na ndaba. Nazar monté, n'était à la seule campagne un mois, Nazar chaque janvier. I am preacher in Ghana. Donc chaque mois de mai, Nazar en campagne. May, chaque juillet, Nazar en campagne. July. Continue to carry on. Carry on doing what you're doing. God will bless you. Vous n'êtes pas le seigneur de la maison, c'est Dieu qui est le seigneur. You are not the master of the house. Il faut croire en Dieu. Oh, on a le seigneur de la maison. Oh, on a le seigneur de la maison. Oh, on a le seigneur de la maison. Il va prendre le seigneur de la maison. God will make it grow. Cinquième point. Il faut rester fidèle. De Christ. Regardez-vous, il ne faut pas mettre les gens dans la confusion. L'église a des loups pour lui qui n'a pas. Tout le temps, 1 Corinthiens 15, 1 à 10. We're going to read 1 Corinthiens. Dans vos autres mandats, vous allez sage. Quand on entend les colères, c'est le thé. Sauf que vous allez le sage. When you're building, don't build on the sand. Pastor, when I detected a couple of malaria bats, I'm not going to be able to get a little bit of a Redemption. Tant au monde à la tissu. Dans mon avatar, vas-y dans la tissu.
yo tia ye insistez na parole Bible le dit demandez il vous sera donné frappez à la porte on vous ouvrira cherchez vous trouvez prêchez la même chose prêchez au moment la ti un jour mon père a commencé one day tu capas pas à l'église va y commenter colo dans la rédemption en vous let people come the Lord will save them. Don't change them away. Hallelujah. Hallelujah. Le message qui produit la maturité, allez prier que Dieu vous révèle. Vous êtes sauvés. Vous avez besoin de signes extérieurs. Mais vous avez besoin de vous assurer que Nazali sauvé. If you've accepted Jesus in your heart, be assured that you are saved. Et là, moi, je vais conseiller à moi. Que le peuple dise,
servant